Toute la journée, mardi le 31 décembre, la foule n'a cessé d'affluer sur différents endroits comme des églises et des bars qui étaient noirs de monde. Déjà en début de soirée, avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui continuent d'arriver dans une ambiance joyeuse et parfaitement sereine. Au foyer de la charité de Bujumbura, qui est une centre de pèlerinage des chrétiens catholiques, c'était une ambiance bon enfant avec beaucoup de chrétiens de différents âges, tous réunis pour fêter l'arrivée de l'année 2020. Autour des chants liturgiques, le curé du foyer de la charité, Abbé Amankana, a demandé aux chrétiens présents de se rapprocher de Dieu dans le nouvel an, car c'est le seul salut qui peut aider le Burundi. Il ne faut jamais rester au seuil de ton âme. Il faut descendre à l'intérieur. Il faut rentrer à l'intérieur, y descendre, y réfléchir, y méditer, y travailler, s'y laisser travailler face à face avec Dieu. Il ne faut jamais rester au seuil de ton âme. Il faut rentrer à l'intérieur, y descendre, y réfléchir, y méditer, y travailler, s'y laisser travailler face à face avec Dieu. Même son de cloche, dans l'église protestante de Nyakabiga, dénommée la Sainte, qui était archiconde, des milliers de personnes venues de partout s'étaient donné rendez-vous pour clôturer l'année dans la prière, où ils chantaient et dansaient dans une ambiance électrique. Les chrétiens présents nous ont indiqué qu'ils viennent demander la bénédiction divine pour les élections prévues en 2020, car au Burundi, les élections ont toujours été caractérisées par des crises et des pertes en vie humaine. Nous sommes dans une misère sans nom. C'est pourquoi on a pris l'option de terminer l'année dans la prière et demander au Tout-Puissant de nous aider pour les élections prochaines. Franchement, on a perdu l'espoir. Avec des élections de 2000, des gens se regardaient en chaîne de faïence. Nous ne voulons pas qu'on puisse assister à des scènes de chaos qui ont suivi les élections passées. C'est pourquoi nous implorons le Tout-Puissant de nous aider. 2020 a été célébré aussi en grande pompe dans différents bars de Bujumbura. C'est le cas de Bouiza, un quartier populaire de Bujumbura, réputé dans l'organisation des Nuits Blanches, où des milliers de citadins venus de tous les horizons avaient pris d'assaut plusieurs discothèques de ce quartier. Les bonnes années résonnaient de toutes parts. La musique était au rendez-vous. Au pas de danse, biel à la main, tout le monde était fou de joie. Malgré les vœux de bonheur, des inquiétudes et des conditions de vie difficiles ne manquent pas. Nous voulons le changement car la vie est très chère et la crise financière perdure. Il faut créer une chaîne de solidarité entre les Burundais et cela doit passer par le retour de la paix. Nous ne voulons pas le développement à deux vitesses car tous nous sommes des Burundais et on a les mêmes droits. C'est dans cette optique que nous aimerions que cette année soit une année de prospérité et de lutte contre le chômage et la pauvreté qui menacent les Burundais et cela doit se faire dans la paix. Le revoir 2019 a été célébré sous haute sécurité. Plusieurs policiers faisaient des patrouilles dans des quartiers. Et les endroits qui rassemblent beaucoup de monde étaient ceinturés par plusieurs policiers qui surveillaient des mouvements de gens.